Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un slime test. En fait, je vais essayer de faire un slime qui soit jiggly et fluffy à la fois. Donc, je ne sais pas du tout si c'est possible. Pour ça, il me faut de l'eau pour faire le slime jiggly avec la recette normale et de la mousse à raser pour faire le côté fluffy tout simplement. Donc, c'est parti. Donc, je commence par mettre ma colle. Donc comme d'habitude, j'utilise de la colle Cléopâtre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tous ces produits, vous avez un lien en barre d'infos et un code promo Elodie Créa qui vous donne droit à 10% de remise. Ensuite, j'y ajoute de l'eau. Donc je mets quasiment autant d'eau que de colle pour qu'il soit bien jiggly. J'y ajoute un petit peu de colorant en poudre. Donc ça, c'est facultatif. Donc j'en mets pas mal quand même parce que bah il y a la mousse à raser qui va éclaircir le tout. Donc j'espère que le résultat sera sympa quand même. Et là je viens y ajouter pas mal de mousse à raser. Donc là, je pense que j'en ai mis assez. Je mélange plus doucement que tout à l'heure. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, la mousse à raser a vraiment éclairci le tout. C'est assez dommage. Je vais essayer d'y rajouter un petit peu de colorant. Vous le voyez rose très très clair, alors que pourtant c'est un rose assez foncé quand même. Et ensuite, donc pour le former, j'y ajoute du bicarbonate de soude alimentaire et de la solution pour lentilles. Donc voilà le résultat après avoir mélangé pendant un certain temps quand même. Donc ça, je pense que c'est dû à l'eau. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout jiggly. Il ne fait pas du tout jiggly slime. Donc pour moi, ce n'est pas un crash test validé. Je ne sais pas si c'est possible d'obtenir quelque chose de jiggly et fluffy à la fois. Je ne pense pas. Vu que j'ai mis tous les ingrédients pour le jiggly et pour le fluffy. Et c'est le fluffy qui l'a remporté largement. Par contre, il s'étire beaucoup mieux qu'un fluffy slime normal. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il est un petit peu différent d'un fluffy slime normal, en fait, tout simplement. Et j'adore le résultat en plus. D'ailleurs, je me demande si je préfère pas comme ça avec de l'eau que sans eau. Il est super agréable au toucher et tout, j'adore. Et il ne colle pas du tout au doigt. On a vraiment le côté fluffy, mais pas du tout le côté jiggly.
Donc j'aime bien noter les choses. Et si je devais donner une note pour ce slime, qui n'est pas du tout jiggly forcément, mais plus fluffy, je donnerais un 8,5 sur 10. Parce que j'adore la texture. Il est super agréable, il est tout doux, il s'étire super bien. C'est vraiment super sympa. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis !